En Côte d'Ivoire, une femme sur trois est victime de violences physiques selon le démographique Elva Servé. Cette donne de l'agence américaine illustre bien la nécessité d'agir. 16 jours donc d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes. Une campagne internationale est lancée depuis 1991 par le Women's Global Leadership. Et en Côte d'Ivoire, la représentation diplomatique américaine s'implique. La violence n'est pas limitée au foyer. Elle implique les mutilations génitales féminines, le traite des personnes et les viols. Un quadruple regard donc pour guider alors la réflexion, celui de la société civile, de l'autorité de tutelle, de la force publique et du guide religieux. La religion parle d'amour, de respect de la vie, de l'importance de la femme. La même religion ne peut pas dire « enlevez vos chaussures pour frapper une femme ». La Côte d'Ivoire a ratifié beaucoup de conventions, la CEDEF, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Il faut les transformer en loi, il faut les transformer en stratégie nationale, il faut les transformer en mécanisme de réponse pour que les Ivoiriens puissent effectivement avoir des services de qualité. 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences faites aux femmes. La campagne a débuté le 25 novembre. Elle s'achèvera le 10 décembre par la Journée internationale des droits de l'homme.